dans cet immense mystère de la vie du Seigneur à Nazareth. En Saint Matthieu, il y a d'abord les 5-6 ans en Égypte, dont nous avons déjà parlé après Noël, et le retour à Nazareth. Et voilà que pendant 26 ans à Nazareth, ou 25 ans, mais 30 ans pendant l'Égypte, Dieu est un passager clandestin sur notre terre. Personne ne soupçonne que le Messie est là. Jean-Baptiste lui-même dira, il y a quelqu'un parmi vous, qui est déjà là parmi vous, et que vous ne connaissez pas, que vous ignorez complètement. Et Dieu a voulu vivre incognito au milieu de son peuple. Et le plus grand de tous ces miracles, c'est qu'il a réussi ce miracle, vraiment, de ne faire aucun miracle pendant ces 30 années sur 33 années. Alors qu'il suffisait d'un clin d'œil pour ressusciter un mort qu'on enterre à Nazareth. Il suffisait d'un mot pour qu'il ouvre les yeux de l'aveugle du village. Il suffisait d'un geste pour qu'il fasse bondir le petit enfant paralysé de Nazareth. Et il ne l'a pas dit, il ne l'a pas fait. Il a attendu avec quelle patience et peut-être impatience qu'enfin arrive l'heure désignée par son Père pour enfin pouvoir commencer à faire bondir les paralysés, entendre les sourds, parler les muets, etc. Voilà. Alors comment il a fait, je ne sais pas. Comment il a réussi à contenir toute cette énergie divine qui est en lui. Voilà. Et parce qu'il veut connaître, ou plutôt épouser de l'intérieur, tout simplement, toute la vie, toute ça, de chaque jour, la vie quotidienne de l'immense majorité de l'humanité. Il a voulu pénétrer de l'intérieur, dans l'humble quotidien. Il n'a pas seulement voulu être parmi nous, il a voulu être vraiment un d'entre nous. Voilà. À tel point que même plus tard, quand il va revenir à Nazareth, après son baptême, eh bien, il a été tellement un d'entre eux qu'on refuse de croire encore qu'il est le Messie. Et il ne peut faire aucun miracle, juste quelques guérisons, parce qu'on dit, c'est le Jésus qu'on a toujours connu, qui a grandi avec nous, etc. Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire? Il a dû même contenir son génie humain, son intelligence. Il n'a pas été outstanding, comme on dit en anglais. Il n'a pas ébloui les gens de Nazareth par son intelligence, par sa sagesse, etc. Sinon, voilà, il veut être tout à fait, voilà. Et il veut ainsi consacrer, sanctifier, diviniser notre existence de tous les jours, de tous les jours. Et c'est comme cela qu'il est en train de sauver le monde. Ça qui est extraordinaire. Il sauve le monde, il fait toute son œuvre de rédemption dans ce qu'il doit faire chaque jour, tout simplement. Je vais faire circuler quelques images avec lesquelles les artistes ont cherché à représenter cette humble vie de Nazareth. Et bien, j'ai oublié de les apporter, comme je voulais, à moins qu'ils soient à la sacristie. C'est juste ici. Non, c'est pas ceux-là, on les voit de loin. C'est une autre série. Vous verrez comment on a cherché. Et voilà. Et c'est ainsi qu'à Nazareth, il va épouser toute notre croissance humaine. Il va avoir 2 ans, 3 ans, 4 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans, 21 ans, tous vos âges, Dieu les a traversés. Il a fait l'expérience d'avoir 18 ans, d'avoir combien, le plus petit à quel âge?
6, 7. Jésus aussi a eu 7. Il a traversé tous nos âges jusqu'à 33 ans. Après, il faut passer à la Vierge Marie, qui elle a vécu très âgée, d'après la tradition. Voilà. Mais jusqu'à 33, vous fait dire, Dieu a fait l'expérience d'avoir 24, 25, 26 ans. Voilà, voilà. Et donc son corps se développe tout doucement, et surtout, quand on vient d'entendre, il grandit en grâce, c'est-à-dire en beauté. Il devient de plus en plus beau, le plus beau des enfants nés de la femme. Il grandit tout doucement en sagesse. En sagesse. Il grandit, se fortifie, rempli de sagesse et de la grâce de Dieu. Il apprend humblement à lire, à écrire, puisqu'on le verra un jour écrire. Il va apprendre à marcher, il va aller à l'école, il va aller à la synagogue, il va apprendre les psaumes par cœur, il va apprendre à lire, à déchiffrer l'écriture. Lui, Dieu, lui, notre Dieu. Quel abaissement, quelle humilité, voilà. Il a voulu sanctifier de l'intérieur toute la vie de famille. Il a voulu vivre simplement une vie de famille pendant 30 ans. Voilà, rien d'autre, rien d'autre. Pour diviniser la vie de famille de l'intérieur. Et c'est un cher Jean-Paul II qui dira, c'est par une famille que Dieu a voulu entrer dans l'histoire humaine. C'est là que Jésus a proclamé l'évangile de la famille en le vivant au quotidien. Non pas par une parole, un grand discours, la famille c'est magnifique, c'est très heureux, toujours. Non, en le vivant, simplement. Encore Jean-Paul II. À Nazareth est né le printemps de la vie humaine du Fils de Dieu. C'est un mot magnifique, le printemps. Entre les murs accueillants de la maison de Nazareth, s'est déroulée dans la joie l'enfance de Jésus. Ce mystère enseigne que la famille donne au monde, en chaque enfant, un nouveau sourire. Un nouveau sourire. Voilà. C'est tellement émouvant. C'est sanctifié. Et aussi, il a voulu sanctifier tout simplement la vie d'un village. La simple vie d'un petit village. L'Épître aux Hébreux parlait du pasteur des brebis. Eh bien, il apprend à garder et les brebis, tout simplement, du village. Il apprend à faire le pain avec sa maman, à aller puiser l'eau au puits du village, qu'on voit encore aujourd'hui. On voit encore la synagogue où il est allé prier chaque Shabbat. Voilà, sanctifier la vie de famille, la vie quotidienne de chacun de nous et la vie sociale dans un petit village complètement ignoré, inconnu de tous. Nulle part dans toute la première alliance, on ne mentionne Nazareth. Et ça va devenir son titre de gloire, Jésus de Nazareth. Celui-là ne vient-il pas de Nazareth? Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? On méprisait les gens de Nazareth. Donc il choisit le petit hameau, car il n'y avait que 20 foyers, que 20 feux. À cette époque-là, les archéologues ont retrouvé le village, l'époque de Jésus, voyez. Eh bien, c'est un tout petit hameau, comme Camaillère, et complètement méprisé. Il ne peut rien sortir de bon. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant tous ces 30 ans? Eh bien, nous n'en savons rien. Et pourtant, nous savons beaucoup de choses. Et je vais achever avec ça, par un merveilleux livre, qui là s'est épuisé, mais il faut essayer de le retrouver, c'est différents sites où on vend des livres épuisés. Ça s'appelle « La vie quotidienne en Palestine au temps de Jésus ». C'est un trésor. C'est tous les documents et les textes de l'époque ou du 1er siècle qui parlent de tout ce que vivait un enfant en Palestine au 1er siècle. Voilà, évidemment le
politique, etc., mais très, très restreint. C'est ça, comme on faisait la cuisine, toute la gastronomie de l'époque, le travail, tous les différents travaux, car il a appris à travailler avec Joseph. C'est les mains du Créateur ont dû toucher notre terre, notre fer, notre bois, car le charpentier, le mot désigne beaucoup plus que juste le charpentier du bois. C'est un peu l'homme à tout faire. C'est aussi bien le forgeron que le menuisier, que l'artisan ferraille, comme ce qu'on dit, etc. Voilà. C'est tellement beau. Nous parlerons une autre fois de ce mystère du travail. Voilà. Les toilettes, comment on s'habillait, les vêtements, etc., tout ce qui concerne la culture, etc. C'est absolument passionnant. J'ai déjà lu 3 fois, j'espère le relire encore, parce que là, on peut vraiment s'imaginer tout le quotidien de Jésus, de Marie et de Joseph. Et je m'en suis inspiré pour mon petit livre, Dieu a 12 ans. Voilà. Suite aux vêpres. Amen. Amen. Et je salue tous les JL qui regardent cette petite vidéo et qui vivent leur âme quotidien dans les villages, dans les grandes villes, etc., qui mènent cette vie de Jésus à Nazareth tout au long de leur existence. Que le Seigneur vous bénisse tout spécialement par le Père qui vous confie son Fils et répand sur vous son Esprit Saint. Amen.